bonsoir à tous. Je m'appelle Cashmere Lane, j'ai 30 ans et j'habite Ébécrevon dans la Manche, en basse Manche, en basse Normandie, connard. Je vais chanter Noir Désir parce que je vous emmerde. Je n'ai jamais eu de doute pour mettre les viewers en banqueroute. Entreprendre c'était si bien, mais je suis un vauréen. Je vais chez Webedia. Ton PayPal dans mes bourses me permet d'aller faire mes courses en ménestrel dans mon carrefour, même si je ne sers à rien. Et nique le salariat. Tout disparaîtra même. Je vais chez Webedia. La paresse, la boostify, Johan Verdier qui me tiraille, des OPSP, des vautours, c'est mon quotidien. Je suis chez Webedia. Alex Click se tape ma mère, y'a plein de mômes sur mon Twitter. Bigby me pousse à l'asphyxie et mon stream Twitch paye en lui. Daily l'emportera. Ah, tout disparaîtra, ouais, connard, ouais. Je bosse chez Webedia. So! Ah oui, c'est vrai, oui, moi j'adore ça. Le petit chauffeur à la pousse. Est-ce que tu ferais l'amour à ton papa? Pour une nuit avec Christian Taubira. Quoi? Mister MVT, trop fort, tu bois plein de Maximator. T'es allé vendre ton anus pour faire comme un fils. C'est super le fait de slip, le petit chauffeur à la pousse. Pour tous ceux qui ont une énorme 8 et 16 bits. Allô? On voit le plafond. Ah, le fond vert déconne. Ah bah ça, c'est les mouvements de caméra. Ah oui. Faux de plafond, faux de plafond. Et voilà. Ou pas. Ah, les aléas de la technique. Bon, allez, salut. Ah oui, non, on était encore sur les vidéos de l'angoisse de tout à l'heure. Bonsoir à tous et toutes. Zerator se fait DDoS par un clan, viens lui porter ton soutien. Ah, c'est terrible les DDoS. Va falloir que je réinstalle tout le matos à l'infini. C'est passionnant. Alors, nous sommes de retour évidemment sur Seven Saga, ce jeu hein, qui vous passionne petits et grands. Évidemment que c'est de la merde en boîte, mais on y est, on a signé. J'ai fait un petit stream perso juste avant où j'ai passé 99 pubs, bien entendu. Mais surtout, nous avons pris 5 niveaux hein, en mode knocker absolu. On a cassé la gueule à Leyes, le démon, aussi pour s'amuser. Le tout dans le but très simple, faire du pognon pour s'acheter du meilleur stuff. Et aussi, essayer d'avancer dans ce jeu Mozi, qui de toute façon sera trop dur. Donc là, on est à un tournant, si vous voulez, de l'aventure. C'est pour ça hein, que j'ai pris les niveaux. L'autre chose, évidemment, qui nous taraude, c'est en haut à droite, si vous voulez... Ah oui, alors attendez, il y avait la caverne du silence. Est-ce qu'on l'avait faite Je crois qu'on était mort comme un caca à la caverne du silence. Parce que je peux plus utiliser de magie, voilà, on est d'accord. Donc il faut que je lève la malédiction. La malédiction qui devait être levée par un vieux. Mais on s'était fait baiser. Ah, tout voilà, oui, c'est moi qui t'ai maudit. Une vision maligne, tu seras un danger pour ce monde. C'est pour ça que je t'ai enlevé tes pouvoirs. Mais c'est étrange, je ne ressens aucun pouvoir maléfique sur toi. Au contraire, je sens que tu es quelqu'un de gentil. Je suis confus. Depuis que j'ai eu la vision, je ne peux enlever la malédiction, je suis désolé. Voilà, raclure de bidet. Donc oui, le problème c'est, doit-on... la caverne qui se trouve à l'ouest est-elle la caverne du silence 2 pour qu'on enlève cette malédiction? Ou est-elle la caverne du cul rouge du singe? Car je vous le rappelle, nous avons également une caverne secrète à trouver. La réponse de l'énigme n'est pas mon père est né là-bas, mais bien le cul rouge du singe. Avec sûrement des récompenses magnifiques. Donc, nous allons tenter le sombrero malgache.
Je consulte une nouvelle fois cette superbe carte. Voilà. Dans le renfoncement en bas, à gauche, au sud-ouest, j'en suis convaincu. Il y a la réponse à ma question. Ah oui, c'est vrai que... Oh oui, mon dieu. Nous avons aussi de nouveaux types de cerveaux maléfiques. Ouais, alors malgré le fait que j'ai lourdement investi, c'est décevant et douloureux. Allez, je tente le sombre Omalia. J'utilise la rune de la lune sur Passepartout, ce qui devrait lui permettre de one-shot le monstre. Ah, il va me faire utiliser des miroirs. Ah bah oui. Bon, profitons-en, soignons Lux. Paf. Très bien, 374. Alors, ça se voit qu'on a pris des niveaux. Ça déconne zéro. Alors, allons-y. Ah, des invités à chaque mort, évidemment, on y pense. À 5000 RT, on y pense. Ah oui. Ah oui, c'est pas drôle. Eux, ils sont pas drôles du tout. Si un sort touche, c'est la Zermie. Je vais tenter la double défense, car je crois que maintenant, Passepartout a assez de force. Voilà, pour one shot. Le robot, j'en doute, on voit hein, que les niveaux payent. La vitesse prise suffit à esquiver... Ah mais même, d'accord, je peux attaquer direct. Faites du slibar. Ah merci Cryo. Non, je vous jure, c'est imminent. Enfin non, c'est pas imminent, en fait on est très loin de la fin. Mais... J'y crois à mort. Ah oui non mais ça c'était une baiserie, c'est là qu'on était mort. C'est un passage qui ne servait qu'à prendre un coffre. Mais c'est pour ça, on n'est pas... On est aux deux tiers du jeu, peut-être les trois quarts avec un peu de chance. Oh non, oh la baiserie. Évidemment avec ma mémoire de poisson rouge. Mais c'est pour ça qu'on a pris des niveaux, c'est pour essayer d'avancer lourdement ce soir. Alors oui, le problème de ces monstres... Ah là là, ils me volent tous mes MP. Alors... A signaler aussi, Passepartout a pris, avec un de ses niveaux, il a appris cette magie, MP Catcher, qui permet de voler des points de magie, et ça, c'est pas déconnant. Alors là, il me fait le vacuum, hein, l'équivalent de Doom. Et ouais, hélas, ça touchait donc mon objet, la harpe, m'a protégé d'une mort obligatoire. Ma défense tombe, je le vis bien. Voilà, au moins je me débarrasse de ça. Je vais remonter, remettre en mode normal la défense de Passepartout. Allez, c'est pénible, mais il n'y a pas d'autre choix. Voilà, on peut espérer des critiques pour faire le double coup. Et le miroir, c'est une très bonne nouvelle, mais ça n'a pas fonctionné. Ok. Ah, très bien, ça loupe naturellement. Entre guillemets, ça serait drôle de l'avoir en pierre, mais on n'utilise pas de miroir et c'est pas plus mal. Ça donne énormément d'expérience et d'or. Des engagements moraux, comment ça? Ah non. Ah oui, c'est vrai que je ne peux pas utiliser de sortilège, donc il est crucial... que je me soigne pendant les batailles. C'est pour ça aussi que les batailles sont dures, mais loin d'être impossibles. Aimer jusqu'à l'impossible. Attendez, je rêve ou je suis en train de retourner en bas alors que je l'ai déjà fait. Mes points de magie, sac à merde. De toute façon, je peux utiliser de magie, donc c'est pas trop grave. Alors, je vous rappelle également aussi que je n'ai pas mes lunettes. Donc, je vais essayer un maximum... Alors pourquoi pas de sortilège? Car j'ai été maudzi. J'ai été maudzi par le père Fouras, qui pensant que j'étais le démon réincarné, m'a privé de tous mes pouvoirs. Sauf que là on lui a parlé... Oh merde, oh la baiserie. Il s'est aperçu qu'on était les gentils, mais il n'arrive pas à lever le sortilège, la malédiction. Donc la baiserie, absolue. Ma défense tombe... Alors on remarquera hein, que mon agilité a grandement augmenté. C'est moins dangereux. Ah très bien. Il est temps. Alors attendez, j'ai quoi? Je crois que c'est la light rune pour récupérer des MP. J'y crois à mort. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour augmenter mon goal. C'est la sky rune qui me redonne des points de magie.
On va utiliser la Water Rune pour donner point de vie à Robochiot. Alors c'est très bien de l'avoir transformé en pierre, mais ça m'a utilisé, hélas, un moult. Moult miroir, des miroirs que je veux garder vu que le nombre maximal d'objets qu'on peut avoir en sa possession est de 9. Bon, je pense qu'il faut aller à droite et puis c'est tout, quoi. Et puis c'est tout. Je sais plus où je vais, je sais plus où j'habite. À droite toute. Je le vis bien. Oui, on s'en fout des points de magie, mais sait-on jamais, Ranma, si jamais nous retrouvons nom d'un fion. Eux, ils ont beaucoup d'attaques, mais pas de défense. Ce qui serait bien, c'est qu'on les touche, par contre. En plus, ils peuvent me faire la pétrification, ce qui est très chiant. Très bien. Ah, merci, Praline. Mais en fait, je voulais la prendre plus haut, la musique de Noirdes. Ce soir, je l'ai traîne plus haut avec Nioh, tout se passait bien. Et je sais pas pourquoi, là, je l'ai pris plus bas. Comme d'habitude, au moment où j'entame la chanson, il se passe des choses indéfendables. Ah non! Baglop! Bon, allez, on joue le tout pour le tout. Bourrage. Bourrage de puissance sur passe-partout. One shot, please. Oh, le critique. 648 du jamais vu. Ah non! Non! Ah, c'est pénible. C'est vrai qu'ils peuvent se ressusciter entre eux parce que sinon c'est pas drôle. Non, là c'est vraiment chiant. Alors je vais redéfoncer son pote 732, tout va bien, en me disant qu'au bout d'un moment il aura plus de points de magie. Petit mot sur mon week-end amazing. Oui, on sera éventuellement un... Oh, la baiserie. Un real talk. On est loin de la fin, parce que ce jeu a moult surprises. On pourrait se dire, voilà, j'ai quasiment toutes les runes, c'est gagné. Mais en fait, ce jeu est bien plus compliqué que ça. C'est pour ça que j'ai fait un petit leveling de Goray. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, il nous manque une rune. Qu'est-ce que je branle? Je sais plus où je vais. Là, je viens de faire un tour. Le problème, c'est qu'on discute, on discute. Et en plus, avec ma mémoire de poisson rouge, je ne sais plus où j'habite. Oh, il m'a empoisonné. Oh, c'est chiant. La VOD du concert, eh bien non, hélas, car il n'y a pas eu de captation sur ce concert-là. C'est triste. Achète du repousse, du repel. Ah, c'est les Pokéfions, ça. Le repel. Bon. On recommence, comme si de rien n'était. C'est la première fois qu'on arrive dans cette caverne. Bonjour. Donc c'était bien en bas. Mais attendez, mais en fait, ce n'était que cul-de-sac et calomnie. Bon, je propose petite accélération. Officiel. Juste pour ce combat. Eh merde, il va crever, le robot va crever. Alors pourquoi je n'utilise plus défense pour attaque? Parce que là, il y a plein d'ennemis que je peux one-shot. Et là par contre, par exemple, contre les épées, ça ne sert à rien. Les épées vont prendre un point de vie quoi qu'il arrive. Donc Power Seat. Voilà. Ah non, mais j'utilise tous mes miroirs. Oh, c'est chiant, je vais devoir en racheter. Bon, pour la peine. Soignons-nous. Fais pas le con. Ah, c'est pénible, hein. Ah, c'est très pénible. C'est vrai que c'est pénible. Voilà. Bon. C'est
c'était en bas. Je suis allé en bas, mais je suis allé en bas, c'était un cul-de-sac. Ah mais non, ça continue. Ah mais non. Mais c'est de la baiserie. Ah, Suikoden 2, long time ago, faudra... Alors eux, ah merde, non. Oh le con, eux ils ont beaucoup de magie, ça va être douloureux. Je tente le sombrero malgache. Oh, c'était risqué. Ça va, ça c'est l'attaque physique, c'est anecdotique. Paf. Très bien. Parfait. Bon, au pire, de toute façon, j'ai mon Exigate pour me barrer de ce donjon à n'importe quel moment. Salut, Sylvain. Eh non, ce n'est pas une rediff. Bon, allez, j'y crois à mort. C'est là. Mais non, mais là, c'est le coffre anecdotique, on s'emmerde. Eh mais non, pas du tout, car il y avait cet endroit-là. C'est bon. Ah non, c'est chiant. Ils vont se ressusciter encore à l'infini. Oh, ça m'emmerde. Paf! Ah, parfait. Ah, on peut one-shot grâce au Moon Rune. Très bon. Ah, très bien. Le plus mortal des combats. Allez, on y est. On y est, c'est pas des conneries. Ah mais non, c'est juste que j'en avais trop. Mais si, mais c'est bon, on avance, on progresse. Ça aura mis 20 minutes, mais on y est. Non, je n'ai bien évidemment pas oublié que le 15 avril aura lieu le plus mortal des combats. Merci. Parfait. Du coup, c'est gratuit, soignons-nous. Allez, on en met une couche. C'est Bloodborne Origins, c'est ça. Et on retrouve des opales. Alors j'ai pris tellement de niveaux qu'on doit être très très loin de notre éventuel level up. 7800, oui d'accord, on n'y est pas. Hein. Alors, bonjour, le cul du singe rouge, est-ce que c'est par là? J'ai l'impression, regardez bien, ce mur sur la gauche est extrêmement bizarre. Oh génial, des clodos. Paf. On laisse Passepartout empoisonner, ce n'est pas grave. J'y crois à mort. Est-ce que c'est là? Où se trouve le cul rouge du singe? Je viens de faire un tour. Je suis sûr que le cul du singe est dans ce coin-là. Bon, je tente le sombrero malgache. Je booste l'attaque de Passepartout, j'espère qu'ils vont... Oh bah, personne n'a attaqué. Paf. Très belle. Ah, c'est marrant, ça a doublé le... Ah, très bizarre. Le premier effet sonore, il y avait un délai dessus, on ne sait pas pourquoi. Esquive, mystique, tu es un filou. On se remet des points de vie, des points de magie parce qu'on a que ça à foutre. Parfait. Il faut qu'on trouve l'énigme du cul rouge du singe. Moi à droite donc. Ah non, c'est pénible. La solution offensive. Parfait. Moins parfait. Meurs de décès. Quoi? Oh non, la Théon! Bon bah c'est chiant, mais d'accord. Alors défends-toi.
un petit soin. Très bien. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Oh là là, le critique à 830, c'est un PB. Record du monde du dommage. Bientôt les 999. Alors, est-ce... je ne sais pas où se trouve le cul rouge du singe, ça m'intrigue. Là, il y a une sortie encore à droite, mais en bas, il y a un chemin. Oh mon dieu! D'accord. Oh là là, mais attendez, c'est eux qui peuvent faire le vacuum 2 et nous exploser les oreilles. Ah, il suffisait d'en parler, n'est-ce pas? Allô? Donc là, on a dû utiliser moult harpes. On n'a pas eu le message que ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire donc qu'on a dû utiliser des objets. J'y crois mort. Allez, voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Le cul rouge du singe, est-ce par là? C'est con parce que ça se trouve, il n'y avait pas de coffre signalé en bas de la salle précédente. Donc peut-être que le cul rouge du singe se trouvait là-bas. J'y crois à mort. C'est vrai que les bruits de pas du robot nous manquent. Mais où suis-je? Où suis-je? Allez, ouais, ouais, pourquoi pas. Je vais plus avoir de miroir bientôt, hein. Bon, allez, je tente un sombrero malgache. Allez. Je vais booster le robot. En me disant que la défense puis attaque de passe-partout va suffire. Oui. Robot chiotte, fais-moi rêver, fais-moi zooker. Non, non, ah non, c'est chiant. Ah, j'avais oublié que eux aussi faisaient ça. Et l'autre, il ressuscite et il rejoue direct, c'est n'importe quoi. Oh, je suis agacé, je suis courroucé. Il lui reste un point de vie. Merci. Non mais c'est imminent, je vous jure. On va se sortir de ce trépas. Un coffre, mais on s'en fout. S-Destroy, mais c'est de la merde. C'est un objet quoi qui doit faire... Oh. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Ah non, ça c'est pas réglo. Alors ça, c'était pas prévu. Normalement, il doit y avoir que des clodos ici, vu que j'ai pas de magie. Heureusement que j'ai investi dans du stuff. Bon, pour l'instant, ils ne font que des attaques physiques. Donc là, je viens de me jinx, de me poisser. Tant qu'ils font pas fireball, là. Voilà, c'est très bien, ça. Bon, allez. Moon rune plus défense, one shot. Merci. Oula, esquive de fire 2. Esquive de fireball, non. Allez, ce n'est pas grave. Tant que passe-partout ne loupe pas la cible. C'est vrai qu'ils font penser à Urien dans Street Fighter Third Strike. Street 3. Water. Non. Mais évidemment qu'on se fait chier. C'est un des buts primaires de ce stream. Quadricolore, les quatre couleurs primaires. Ok. Merde, nous abandonnons déjà les opales, nous en avons droppé 9. Pourquoi? Bon, j'y crois à mort, ne vous inquiétez pas, hein, tout est sous contrôle.
3 pas, un combat, c'est tout ce qu'on aime, là, tous les éléments qu'on adore dans les RPG japonais sont réunis. Voilà. Petite esquive, on va booster Robo Shot parce que sinon ça risque d'être extrêmement chiant, hein. C'est douloureux, mais c'est très douloureux. Voilà, il faut soigner le soldat Robo Shot. Parfait. J'y crois à mort. Voilà. Ah, Argonz. Je suis énergétique, et bien comment? Bah j'ai pris un Raidoko coke, un café, évidemment, avec un petit portoricain. Ah, des bisous, Zoro. Alors, Zoro, je m'excuse, Real Talk. J'ai vu ton message Twitter trop tard. Et même en ayant passé du temps avec eux et en ayant hosté le concert, c'était la guerre pour les dédicaces. J'ai fait dédicacer que deux trucs. Voilà. J'ai pas abusé. Mais ça s'est très bien passé. Donc, il n'est pas improbable que je recroise le chemin de Nobuo Uematsu et je penserai à toi, évidemment. Car mon père est né là-bas. Non, mais stop! C'est fou, même Passepartout qui a gagné tant de niveaux prend la max. Oh, je vais plus avoir de miroir, on a tout utilisé dans ce maudit donjon pourri. J'aurais dû attaquer les autres, ah bah très bien. Bon allez, allez, c'est la bonne, hein, c'est la bonne. C'est de la bonne. C'est quoi cette tombe? Il y a une tombe. Je crois que c'est la tombe. Alors je sais plus si c'est un combat ou si c'est un private joke. Mais c'est, souvenez-vous de Pison. Pison futé. On a affronté un boss récurrent qui était Pison. On a eu Pison, Pison rouge, Dark Pison. Je crois que c'est sa tombe. Oh là là, ouais, on va plus avoir de miroir, hein. Ça va bientôt être les ambiances, on va se faire pétrifier. Mais non, j'aurais dû l'utiliser. Ah non, c'est ma tombe. Oui, un mind game de ouf. Ah, ça spoil, mais je me rappelle. Maintenant, mon père est né là-bas. C'est notre tombe. Et c'est un taunt ultime. Allez, pas le temps, faut y aller. C'est sous le Calibur, hein. Ça déconne zéro. Ok. Bon, je vais peut-être me désempoisonner. Antidote. Ah, voyons voir. La tombe de Passepartout. Pourquoi? Et voilà, Pison futé. Le retour, mais d'abord, un ennemi de merde. Ah bah je vais essayer de me mettre full life. Oh mais non, mais c'est pas le meilleur combat pour se mettre full life là, quel ennui. Oh là là, et ma défense qui tombe, et merde. Bon, de toute façon, contre Pison rouge, hein, Pison futé, vous connaissez les embrouilles. On va se booster et puis voilà, hein. Très bon critique. Ça ne fonctionne pas. Ok, donc on va juste avant de lui mettre le coup final, on soignera Passepartout. Non, c'est chiant. Heureusement, ça ne fonctionne pas. J'ai même, je crois que j'ai plus de miroir à mon avis. Ah bon, on va le savoir tout de suite. Et si. Et merde. Très bien. Ah merde, s'il mettait un critique, c'était la fin, j'aurais été guaqué. Soignons-nous. Ah
Ah mais on est sur Super NES, donc Seven Saga n'existe pas sur Mega Drive. On n'aurait pu l'avoir avec Monsieur Ken Verdier. Oh merde! Ah ne prends pas un niveau de merde! Ah c'est pas terrible. Lux, il prend toujours des niveaux de ouf. Allez hop, voilà, tu dis combien Coco il paye, il a pas le temps. Mais c'est normal, il a pas d'équipement. Bon. Faut que ça passe, parce que ce donjon est chiant, mais chiant! Je savais que tu viendrais! Tu... Voilà, ne m'as-tu pas reconnu? C'est moi, Bison Futé! Comme tu peux le voir, je suis revenu en tant que Metal Pison! Ah oui, je me suis préparé pour ce jour, pour t'envoyer dans le monde de l'obscurité! Tu ne fais pas le poids! J'ai le pouvoir de me char derrière moi! Ça va chier! Bon, boostons-nous! Oh non! Copiste! Copiste! 260 hubs de défense, il est fucking sérieux? Je vais pas m'énerver. Bon, boostons la force, puis on va pas booster la vitesse avec nos consommables. Quoique je sais plus ce que j'ai. La dernière que j'ai eue, la Light Rune, c'était... Oui, la magie. Oui, donc on s'en fout. Entre guillemets. Moon Runo. Ça tient, tranquille. Allez, boostons l'agilité. Be Agility. Faut pas oublier que j'ai pris pas mal de niveaux quand même. Et ça, c'est un monstre. Ce boss-là doit être un boss avec un niveau fixe. Pas bah, défini en fonction des miens. Oh, dis-moi que j'ai encore des miroirs. C'est douloureux. Oh, ça va être long. Oh l'enfoiré, il fait Doom, ok. Oh, j'ai plein de harpes, ça c'est la bonne nouvelle. Je peux en tanker quelques-uns. Et en plus, l'agilité passe pour Robochiot. Double défense, donc double attaque, triplé. Oh là là, c'est... Oh, c'est nul. Ah, c'est nul. Bah là, c'est la harpe qui va me protéger, à moins que ça loupe. Ça m'arrangerait que ça loupe. Il me prend mes MP pour me refaire ça, donc j'aurais vraiment dû arriver à poil. Ah, la musique est excellente, ouais. Il me down ma défense. On va la rééper immédiatement. Non, mais le pire des combats... Oh, merde, j'ai pas de magie de feu. Si, passe-partout a des magies de feu. Parce que ceux qui ont déjà vu mes streams il y a longtemps, notamment quand on avait joué la sorcière elfe, un pute, qui n'a que des sorts de glace, à un moment, on affronte un dragon de glace dans le jeu qui a 750 points de vie. Et si on n'a pas de sort de glace et qu'on est avec des magiciens, des sorts de feu et qu'on est avec des magiciens, on lui enlève un point de vie à chaque attaque. Je vous laisse imaginer à quel point ce combat était passionnant. Alors. J'y crois, mort. Ah, je crois qu'il... Ça y est, il a cours de magie. Ou pas, mais... ça whiff. Ça whiff. Et ça whiff punish. Ah, oh, il est chiant. Ça va le faire. On va même se permettre de se remettre un peu de life. Éviter les éventuels malentendus. Très bien.
Ah, on est bien. Le boss est là, bidon possible. Bah, il est bidon. En fait, ce boss là est un peu moins dur du fait qu'on n'ait pas de magie. Donc, il n'est pas rendu survénère. L'autre truc, c'est que j'avais bien tous les consommables dont j'avais besoin. Pour pas que ça soit la merde. Et j'ai pris beaucoup de niveaux avant le stream. Ce n'est pas terminé! Tu regretteras bientôt ce que tu as fait! Ah oui! J'ai envie de voir ton visage quand cela aura lieu! Nirk! Ah! Très bien. Mais le cul du singe rouge, on a loupé le cul du singe rouge, j'en suis sûr, c'était dans la salle précédente. J'en suis convaincu, quasi convaincu. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Alors, il y avait un truc en haut, et à mon avis, j'aurais dû y aller parce que c'était juste les coffres. On est vachement intéressé par le cul du singe rouge, quand même. Par le cul rouge du singe. Oui, on a laissé Immortal à sapin et on a commencé Last Battle. Très honnêtement, je pense que c'était une mauvaise idée. Avec leur cul. Oh, c'est chiant. Non, faudrait vraiment que ça cesse parce que c'est chiant. Très bien. Voilà. Ah, c'est dommage, parce que le cul rouge du singe nous donnait peut-être du stuff de fou. Bon, allez, je tente le sombrero malgache. Oh non, non, mais non. Bon, allez, tant pis, hein, on perd pas de temps, même si on va se faire roxer l'anus. C'est douloureux. Ah merde! Oh, j'ai fait le con, non, ça va. Donc on a avancé déjà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe si je fight direct? La déception. Ah oui, d'accord. Ah, les mésaventures de Beat sur Alundra à l'ancienne. Grand jeu Alundra, un grand jeu dégueulasse, mais grand jeu. Bon, finalement, j'ai esquivé plein de trucs, dont le cul rouge du singe, mais au moins on avance. Où vais-je atterrir? J'ai reçu la lumière de la lune, et ça, c'est pas des conneries, parce que je vais en avoir besoin. On va bientôt quitter ce donjon, parce que la lumière de la lune, me semble-t-il, est ce dont j'avais besoin pour faire lever, entre autres, la malédiction. Mais je veux voir s'il n'y a pas le cul rouge du singe dans le coin. Mais non, je n'ai plus de vidéo de longplay sur Seven Saga, CDB. C'est pour ça qu'on s'y est remis. Après Last Battle, ça sera Desert Strike, le jeu d'Helico sur Mega Drive du Charisme. Si on termine Last Battle, hein, je pense que je vais peut-être faire un visionnage de vidéo officielle Console Mania. Mais j'ai pas besoin de trouver la sortie, Marinour. Je peux utiliser mon Exit Gate à n'importe quel moment. Oh là là, c'est chiant. À n'importe quel moment, je peux me barrer. Ou décéder, mais peu importe. Ce qu'on devait faire... Oh putain, ce qu'on devait faire, on l'a fait. Ah, se trouve dans l'autre continent, au sud de Padal. Ah, Lexkin nous donne une Solus officielle Console Mania. Merci à lui. Alors, on va faire un Stropole. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on fait la caverne du cul du singe? C'est l'heure de la pub, en plus c'est parfait. Alors Stropole, c'est super important. Avant la pub Stropole,
Ah bah tiens, ça tombe bien, il y avait la région YouTube. Alors, c'est trop beau. Alors, que doit-on faire? Terminer ce jeu de chiasse le plus vite possible ou faire la caverne du cul du singe? Ça sert à que dalle. Ah mais non. Alors, je vous donne le Stropole sur IRC et sur, bien entendu, le Twitter. C'est super important. Et on se retrouve tout de suite. Des bisous.
vous êtes unanimes. Alors oui, non, c'est de la merde, on voit rien. Hop, oh la magie, oh c'est beau. Non, en fait, c'est de la merde. Bon, en gros, pour une fois, incroyable mais vrai. Pas de 50-50. Et vous voulez qu'on aille faire la caverne, pas la taverne, du cul du singe, même si ça a plus un nom de taverne, hein, pour le coup. Alors nous allons utiliser l'Exigate pour nous en aller de cet endroit. Eh oui. Alors, je ne vais pas m'énerver. Donc là, caverne du cul du singe va nous emmener à Padal. Dans un premier temps, on va en profiter pour, eh bien ma foi, nous reposer et vendre, acheter moult pierres précieuses pour ne pas perdre tout cet argent. Dûment, durement gagné. Ouais. Bon, oui, voilà. Ne devras-tu pas refaire Pison ? Ah, sur le retour, sur le chemin du retour, il y avait Pison. Ah, me dites pas ça, parce que sinon, je vais m'énerver. Ah, mais il y a que des trucs pourris ici. Attendez, j'ai besoin de diamants. Le diamant, c'est à Tifana ou à Polazu. Oh là là, mes mémoires de poisson rouge. Je le savais. Non, c'est à Telaine. À Belaine ou à Telaine? Ouais, c'est à Telaine, j'y crois. Meurs. Le diamant qui vaut 10 000. Je vous rappelle hein, qu'on doit tout stocker dans les pierres précieuses afin de ne pas perdre la moitié de notre argent quand on décède. Ah, parfait. Paf. Une émeraude. Et des topazes, allez. Et des perles, allez, voilà. Tu dis combien, Coco, il paye? Ah, je suis déjà au max des perles. Ce n'est pas grave. Il faut que j'aille me reposer. Bonjour. Ah, c'est moins cher que gratuit, parfait. Ah mais non mais je suis con, j'ai tout revendu alors je dois acheter 40 000 miroirs et oh merde. Je ne vais pas m'énerver. Vous inquiétez pas, hein, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. C'est la partie passionnante de ces streams, c'est le shopping. Mais voilà, c'est PC Vlad qui est lucide. Je vais revendre donc. Bah ce que j'ai en trop, allô voilà. 9 opales, voilà j'ai trop d'opales. Hop. Miroir c'est 200 donc c'est pas assez, il me faut 1800. Mais non mais je veux vendre, merde. Et j'ai des harpes à acheter aussi. Topaz, voilà, on a trop de topaz. Donc ça déjà c'est bon. Ne vous inquiétez pas, hein. Grâce à la technologie Console Mania, tout va aller plus vite, même si ça risque d'être désagréable pour les oreilles. Alors vu que j'ai des harpes à acheter, je vais revendre également. J'ai acheté trop de perles, j'ai des choses à te dire. Bon, alors les harpes, ça s'achète. Oh, j'en sais rien. Je crois que chez les clodos, c'est pas mal. Mais non. Il y a bien... Ah, je sais plus si à Valenka, il y a... C'est juste des clodos. Non, c'est pas à Valenka que j'avais acheté. Oh là là, je suis fatigué d'exister. Petite accélération officielle. Voilà. Bonjour. Oh là 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 là. Oh, j'aurais tout dû noter quelque part. Mais non, mais... Oh mon Dieu. Oui, allô. C'est trop rapide en fait cette accélération, ça nous fait perdre du temps des fois. Alors je sais que c'est très dur à suivre. Ah bah attendez, je pourrais parler à lui pour qu'il lève la malédiction. Mais ça sent la carotte. Safe state officiel console mania, bien entendu. Bonjour. Oh mon Dieu. Ah ouais. C'est la lumière de ma lune. Alors tu vas vraiment combattre Garizon le démon? Peut-être que j'avais mal interprété la vision. Je suis désolé. Laisse-moi enlever la malédiction. Hocus pocus, lumière du jour, prends ça dans ton cul, idiot. Idiote malédiction, dégage.
Et nous pouvons utiliser nos sortilèges à nouveau. Ah, la malédiction est partie! Oh, excuse-moi! Vu que j'ai envie de me faire pardonner, je vais te dire tout ce que je sais sur la rune. On dit qu'elle a été utilisée pour détruire Gorgiade à chaque 1000 ans! Et oui, il a fallu 7 runes pour sceller son pouvoir démoniaque! La rune que tu recherchais derrière, je pense que Garizo l'a. Voilà, je dis tout ce que je savais. Et Garizo doit être battu à tout pays. J'espère que tu y arriveras, jeune innocent. Bon. Jusque-là, tout va bien. Bon, où est ce maudit magasin? Non, ça c'est l'auberge. Allô? Oh, cette ville de Clodo m'embête. Je suis embêté. Oh, c'est là. Oui, bonjour. Tu vends des harpes? Tu vends les harpes? Tu vends les harpes? Faites-moi confiance, je vais aller au fond de cette affaire. Ah mais oui, chez Clodo Town, c'est Clodo Town ici, regardez bien. Tous les magasins sont dans au même endroit. Point d'étalage. Ah, oh mon dieu, l'alien! Oui. Que fait ce maudit alien ici? Casser ta gueule, alors là. Non mais c'est chiant, allô? Allez, safe state officiel du cassage de gueule à un PNJ pour le plaisir, Julien Dorcel. Ah donc quand on les tue, finalement ils reviennent. Ah oui mais le problème c'est que lui, c'est par rapport à mon niveau qui... Oh mon dieu. Merde, j'ai utilisé la rune pour regagner des MP, mon colloïde. Non mais ça c'est très con, non, ça c'est interdit, hein. Alors attendez, vu qu'il essaie de me casser la gueule, pourquoi pas me booster directement la puissance. Et là, je me défends, je survis. Et je le tue. On l'a dit, hein, évidemment, il y a des safe states officiels contre les rivaux. Ah oui, les engagements moraux. 49. C'est-à-dire, ces morts-là, vu qu'on recommencera l'auberge de toute façon et qu'on s'emmerde, safe state officiel Consolemania. Alors je vais augmenter mon pouvoir magique avec la rune de lumière. Peut-être que ça me fera moins mal, normalement, c'est ça. Oui. J'augmente ma puissance. Ok, ça fonctionne. Alors maintenant... Mais non, mais pourquoi je fais ça? Il va se booster. Quel con! Ah non, il fait que taper. Oh, l'innocent bête! C'était pas prévu! Bon, allez, ne soyons pas avares. Je vais utiliser une potion 3. Je pense que si j'augmente pas mon esquive, je vais jamais le toucher. Je le pense sincèrement. Là, mon boost de magie a dû partir, donc le Fire 2, l'éventuel Fire 2 me ferait très mal au fion. Non, c'est bon. Bon. Non, mais non, mais il peut pas avoir autant de points de magie. Tiens. Mais depuis quoi il a un sort de soin, ce Clodo? Je tente le sombrer au malgache. Très bien.
Bon. Sur ce, bah ça tombe bien, j'ai gagné de l'argent. Ah bah elles vendent pas de potions 3. Oh, je commence à être très fatigué. Tout ça, c'était pas prévu, hein. On devait juste aller à la caverne du cul du singe. Et je reviens dans la même ville. Allô ? Tifana. Ah oui, il y a deux célébrités. Oh, ça ne s'arrête jamais. C'est dans le dossier de Giga Etienne. Tout ça. Oh, c'est chiant. Bon, bah tant pis, hein. Ouais, mais les potions 3, je vais regretter ça plus tard. Bon. Je tente un dernier. Je pense qu'à Brush, il y en a. Et ensuite, on fait la caverne du cul du singe, comme promis. Qui ne sert sûrement à rien. Voilà. Très bien, bonjour, allez, au revoir. Allez, direction donc Pandal, Padal. Ah oui. Alors, vite, le dossier de Giga Etienne. Alors, document GE2. Ah, Christina Cordula, ça fait longtemps. Ma chérie. Très bien. Et bon, un petit Zidane quand même, parce que Zidane est toujours là quand même pour nous guider vers la lumière. Qu'est-ce qu'on ferait sans Zidane, bordel? Très bien. Allez, Zidane, tu caches les... Voilà. Alors, très bien. On est bien. Nom d'un fion. Alors oui, soi-disant, au sud... Ah, merde! J'ai perdu moult points de vie. Allons nous reposer à l'auberge et c'est parti, la caverne du cul du singe. J'y crois à mort. Il attendait dans le zig. Alors... Merde, ma carte évidemment. Au sud de ça. Oui, il y a une espèce de tour démoniaque. J'aime beaucoup Zazie. Bon, l'avantage, c'est que là, c'est gratuit. Hein. Mais ça veut dire que les objets qu'on va obtenir dans la caverne du cul du singe vont être anecdotiques et chiants. Ah oui, alors me fais pas utiliser de miroir, hein, saleté de bestiole à la con. Voilà. Tu la vois pas sur la map? Oh les petits salauds. La caverne du cul du singe est planquée. Alors, ouvrez les yeux, hein. Ouvre les yeux, je t'emmène en voyage. Essayons de regarder quand ça... Regardez, quand la map tourne, des fois on voit les trucs. Je vous le jure, c'est pas les conneries. Non mais c'est ridicule, c'est ridicule ce que tu fais. Alors ce qui est rigolo dans le jeu, c'est que voilà, des ennemis qui sont anecdotiques vous donnent plus que la moitié des ennemis qui vous one-shot. Donc finalement, voilà, pourquoi, hein, pourquoi pas doser à l'infini ici. Voilà, une petite caverne là, comment ça se passe? Attention, regardez bien, hein. Ah non, j'ai pas vu grand chose, hein. Non mais sérieusement, en plus t'es un critique. C'est contre la chaîne de montagne. Léviat a l'air au courant. Allez, on va raser la montagne. Que la montagne est belle. Alors, est-ce qu'il y a un cul du singe? Ah oui, ça me dit quelque chose. Parce que oui, il y a peut-être un bout de la montagne. Ça me revient. C'est très lointain, mais ça me revient. Il y a peut-être un bout de la montagne qui ressemble à un cul de singe. Et il va falloir chercher... Ce bout de montagne.
Alors si vous voyez un cul de singe, manifestez-vous. On compte sur vous. Alors, est-ce que ça ressemble à un cul de singe, ça? Mais je suis où, là? Oui, bah ça doit être par là, j'imagine. Il est où, le cul de singe? Bonsoir, putaclic. Ah, si vous voyez un cul de singe, voilà, hein. On compte sur vous. Ah, ça, est-ce que ça serait pas un cul de singe? Ah, bah non, je peux pas chercher. Ah mais attendez, là on part au sud-ouest de Padal, pas du tout au sud. C'est très proche de Padal au sud-ouest, très proche. Ah, Radma, notre ami québécois, qui connaît bien ce maudit jeu. C'est ça le problème, quand on recherche quelque chose, on est persuadé de le voir partout. Peut-être que c'est lui, cet ennemi, le cul de singe. Le cul de singe est un mot de passe. Non, le mot de passe, c'est mon père est né là-bas. Mon père est né dans un cul de singe. Ah, le singe est toute la montagne, mais c'est bien sûr. Et que la montagne est belle. Ah, le cul de singe est en chacun de nous, tout à fait. Oh, c'est chiant tous les 2 mètres, là. Oh, c'est pénible. Alors, oui. Alors, regardons la carte. Hein? Mais vous me dites que de la merde en boîte? Alors, le cul de singe, il est où? Elle est où la caméra? Est-ce qu'il faut juste rentrer dans un pan de montagne au final? Ça se trouve, c'était en bas, là. Faut-il bourrer la roche? La roche Valmont, t'as le loup coco. Est-ce que le jeu est bientôt fini? Absolument pas. Et là, on fait un truc qui nous avance pas dans le jeu. Est-ce que c'est ça le cul de singe? Allô? Je viens de passer devant le cul de singe. C'est ça alors. C'était les doubles. La double ouverture. C'était là avant. Alors, c'est là, c'est ça. C'est ça. Évidemment, le cul du singe. Non mais c'est chiant, voilà, faudrait que ça s'arrête. Oh bah puis merde, hein. Accélération officielle console mania, parce qu'au bout d'un moment. Alors, c'est ça. Le cul du singe ici. Mais vous me dites que de la merde. Retourne à Padal et pars au sud-ouest en coulant les montagnes. Ah bah j'ai écouté Radma, l'homme de la lucidité. Bon alors, retourne à Padal. On va utiliser la rune du vent. Nom d'un fion. Padal. Hop. Alors, dois-je partir au sud-ouest, mais en restant au nord de la chaîne de montagne, et comme ceci... Mais ça, c'est le cul du singe. Ah non. Ou dois-je passer en dessous de la chaîne de montagne? Est-ce que finalement... La montagne et la caverne du cul du singe ne sont pas... Est-ce que pour les découvrir, il faut parler à Raymond Ray du cul? Ah non, je suis confus. Regardons la carte. Ah, tout est plus clair. Ah, mais le cul du singe, évidemment!
C'est là. C'est là. Allô? C'est bon, j'ai compris. C'est bon, je l'ai. Je le tiens. Je le tiens, mon putain de mi bémol, comme le disait... Oh là ! Comme le disait Francis Lalanne. Il faut suivre la tigue du cul. Oh là là, mais... Je pense que c'est imminent. On y est là, c'est parti, c'est là. C'est là, le cul du singe. J'y suis presque, quoi, c'était à gauche? Non, non, à droite, j'y suis allé à droite, hein, on est d'accord. Oh non, pas un miroir contre lui, c'est ridicule. Il faut lire les runes. On y est là, c'est pas des conneries. Mais non, mais je sais, regardez, je vous montre la carte. Regardez bien. C'est très simple. Voilà, vous le voyez, c'est très simple. Ici, voilà, c'est la constellation du Lutte, le Lutte-Garou. Voilà, ici là, l'Italie, clairement, c'est une Italie renversée, une Italie satanique. Et là, regardez bien, vous voyez ces yeux malicieux ici? Ce sont les yeux du singe, et sa bouche se trouve, c'est très normal, tout en bas. Et dans la mythologie de Garizo, la bouche était un cul. Allez, c'est là. Oh merde, c'est là. La caverne du cul de singe. Moult trésor. Ouais, ça va, c'est anecdotique, ça. Allez. Alors, qui a-t-il? Est-ce que le jeu en valait la chandelle? À mon avis, non. À mon avis, on va se faire chier, on va récupérer des potions 2, et en fait, on va pas en récupérer parce que je suis déjà au max. Peut-être qu'il y a des graines, peut-être qu'il y a des seeds. Et les graines, c'est super important. Bon alors, là, il y a des trésors. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, peut-être des mimiques. Je ne peux pas prendre la harpe car j'ai trop d'objets. J'ai reçu un rubis. Ah, rubis, ça vaut 1000. Oui, on pourrait faire du fast-forward sur les combats, c'est vrai, parce que c'est chiant. Non, mais c'est chiant, c'est vrai que c'est chiant. Ça, c'est un cadeau officiel. Un cadeau officiel Console Mania. Ah! Une graine d'intelligence. Bonjour. Je ne peux pas prendre le Phoenix Down, car je suis au max. Non mais est-ce que ça te ferait chier? Oui, oui, je parle évidemment à la pierre. Ah oui, un mimique, ça faisait longtemps. Bleu, on connaît les bleus, c'est easy. Je me défends, j'esquive. Petite rune de ma lune. Et le one shot, officiel Console Mania. Si on a de la moule, une émeraude ou un diamant. Je vous le rappelle, le jet de la gemme est aléatoire. Fais-moi zooker. C'est la plus nulle qu'on peut avoir sur le bleu, je pense. La topaze qui vaut 500. La VOD du live de vendredi dernier, c'est imminent. J'ai vu Daniel la monter aujourd'hui.
Ah oui, je devais... Ah oui, il faut... Alors... Je devais accélérer les combats, je l'avais oublié également. Bon... Ah, c'est terriblement chiant, c'est vrai. Mais regardez, sous vos yeux ébahis, à la fin de cette caverne du cul du singe, je ne peux pas prendre l'élixir car je l'ai fermé à l'infini sur le stream d'avant avec les 99 pubs. Oh là là, Calypso qui lance un drama, un real talk sur Ulster Bleacher, qui utilisera mes répliques dans ses vidéo. Oh, vous savez, hein, le monde du stream et de YouTube, c'est un peu un monde consanguin où tout le monde se copie. Mais j'ai envie de vérifier. Je vais faire mon travail sur le YouTube de Ulster Bleacher. Et si c'est le cas, real talk, bien évidemment. Benjamin Daniel la monte, c'est Antoine Daniel. C'est Antoine Daniel qui la monte. Salaud. Alors, respectez YouTubeurs. Sinon, on va être obligé de s'écouter la chanson des YouTubeurs. Les vidéos du cœur. On est peut-être pas loin d'un niveau depuis le temps. Quoique, non, on en a pris un, hein. Avant ou après Metal Pison futé. Un rubis, 1000 boules. Oh, ah, c'est terriblement chiant et nul. Il y avait que ça dans la caverne du cul du singe. Ah merde. Oh non, me fais pas un niveau de merde. 3 c'est médiocre, 2 c'est nul. Ah, le pire niveau de la de la vie en défense, je suis écœuré. Mais non, mais... Ah, c'était pas top, cette caverne du cul du singe, hein. Bon, on se casse. Bon, allez, de toute évidence, on va essayer d'avancer avant la prochaine pause pub. Nous allons nous diriger vers le prochain donjon démoniaque. Oh, j'ai autant d'argent que ça. Diantre. Il faut investir dans de la pierre. Non. Comment ça non? Il y avait un truc de fou dans la caverne du cul du singe. Qu'est-ce que tu fous MV? C'est pas fini. Le mot de passe. Ah oui, mon père était... Mon père est né là-bas. Mon père est né là-bas. J'avais complètement oublié. Mais oui, le mot de passe, c'est mon père est né là-bas. Mais non, mais je suis revenu. Mais quel con. J'avais réussi à tout... Bon, allez. Là, c'est une avancée officielle console mania, hein. Allez, c'est là. Non. Laissez-moi rentrer dans le cul. Du singe, bien sûr. Oh non, mais... Ouais, c'est pas un niveau fou, il peut avoir des niveaux tellement fous, c'est un bon niveau quand même pour Robot Chiotte. Ne vous inquiétez pas. Alors évidemment, quand on fait un objectif annexe, on a le droit de tricher, hein. Ça, c'est une des règles officielles et officieuses de Console Mania. Non. On y est. Je crame mes miroirs. Quoi, on a encore utilisé les miroirs? Non. Bon, les miroirs, c'est simple, on les rachète à Zélie, ça je m'en souviens. Ah bah ça, on connaît, c'est de la merde. C'est un cul-de-sac. Alors évidemment, évidemment que c'est dégueulasse à suivre. Évidemment que ce stream perd en qualité sonore et visuelle. Mais, ne vous inquiétez pas, une fois que nous aurons résolu l'énigme du cul rouge du singe, vous comprendrez. Vous comprendrez que le jeu en valait la chandelle. Ou pas. Je sais pas où je vais, hein, bien sûr. Poisson rouge man. Va au sud-ouest de la caverne. Alors le sud-ouest, c'est pas là. Ça, je le sais, pour le coup. Ah, mais c'était un cul-de-sac. Nom d'un fion bleu. Ah, j'ai réussi à m'enfuir. Allô?
Bon alors c'est vrai que c'est dégueulasse, c'est vrai que c'est immonde ce qui est en train de se passer, mais c'est pour les besoins du... Et c'est là, regardez, le mur a une couleur différente. Ça me revient. Non, non, le passage est là, regardez bien. Cette texture de mur est différente de toute évidence. Ah non, c'est exactement pareil. J'ai raté le passage. Ah, il faut chercher le cul du singe. Ah, mais là, regardez, le mur est cassé sur la droite. Si, si, je vois les phrases du chat, mais difficilement. Regardez bien, il y a une fissure, fissure anale dans le cul du singe. Non, non, ça ne fonctionne pas. Pourtant, ça avait l'air d'être ça. Oh, c'est pénible. Ce jeu est d'une pénibilité assez incroyable. Allô, le cul du singe ? Sois sérieux 2 secondes, oui. C'est là, de toute évidence. Un nouveau-né aurait pu y penser. Bon alors, on me dit que je l'ai loupé, c'est ça le problème. Si on me dit que je l'ai loupé, je suis tenté de revenir en arrière. Parce que c'est sûrement une connerie incroyable. Ah si, regardez bien à gauche. Je crois que je l'ai vu. Je l'ai vu. Tu l'as vu mon cul d'ailleurs, superbe grosse vanne. Hein. Vous pouvez faire durer cette vanne 1 heure et demie avant de donner la réponse. On me l'avait fait à l'époque, c'était énorme. Vous demandez à quelqu'un tu l'as vu, et puis vous explosez de rire et vous pleurez de rire pendant 1 heure et demie. Et puis au bout d'une heure et demie, vous lui balancez mon cul. Si vous l'avez bien faite, mise en place, succès garanti. C'est au sud du nord, au nord-sud. Quelqu'un a dit sud-ouest, était au nord. Oui, mais... Nord, qu'est-ce que tu nous mijotes encore? C'est ça que je me suis demandé. Si j'allais au nord, et que finalement il y avait tromperie sur le cul du singe, eh bien, du coup, je me retrouverais peut-être au sud-ouest. Bon, écoutez, c'est pas très clair dans mon esprit. C'est là, de toute évidence, mais il semblait bien l'avoir vu, mon cul. On y est. C'est là. ASMR, c'est ici que ça se passe, regardez bien. Eh ben oui. Passe, murmure les mots. Le singe à cul rouge, le singe à cul rouge. Allez! Ah mais non! Je me fais intercepter par un dissident autochtone. C'est Pierre-Paul Jacques. Qu'est-ce que tu fais là? C'est bon, on y est. Mais je pensais que ça allait être un truc caché dans le mur. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, on y est. Oh là là, moult coffre. Un sapphire, 2500 boules. Un rubis, 1000 boules. Ah, ça me rappelle Storage Wars. C'est comme Storage Wars. Une commode dégueulasse. Oh, ça, je leur vends 100$. Une couche usagée. Oh, allez, 25$. Un rubis. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une topaze. Ah, quoi, il faut que j'aille la faire estimer. Un moult pierre, c'est cool. Bon, alors là, je me casse, par contre. Un Pierre-Paul Jacques, qu'est-ce que tu fais là? D'accord. Mais il ne me reste que 4 exigates. Quoi, comment ça? Est-ce que si je search, je pourrais pas trouver des trucs, genre un seed? Parce qu'on a trouvé un seed seulement. Storage Wars, la meilleure émission de l'univers, hein. Exigate. Ok. Bon, il faut que je rachète des Exigates. Je suis sûr qu'on en trouve à l'ML. Yep. Alors. Quoi? Oh, la déception est intense. Il faut que j'aille à Belaine. À Belaine, je suis sûr qu'on va trouver notre bonheur, acheter des diamants, mon père est là-bas.
Bonjour. Oui. Je suis déjà allé en plus, quel sac à merde, c'est à Dwayne. Tout me revient maintenant. C'était pas terrible, hein, le cul du singe. À part la petite chansonnette. Non, non, alors là, non. Voilà. Bon, où est le magasin d'objets? C'est terriblement chiant. Ah, sûrement là. Bon. Oh là là. Bon. Oh, c'est chiant. Combien j'ai d'émeraudes? Et désolé, on est obligé de multitâcher. Si seulement je me souvenais où j'achetais. Ah, j'ai 9 émeraudes, c'est pas glop. Est-ce qu'on peut me dire où on achète les diamants? Parce que là, j'en peux plus. Et où est-ce qu'on achète des Exigates? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Christina Cordula a 50 balais? Non, c'est des conneries. Oh, je vous en supplie, aidez-moi, je suis au bout de ma vie. T-Lane. Ah, merci. Mais j'ai pas allé à J'ai fait Dwayne, Belaine et pas T-Lane, c'est ça? Ah, mais oui, c'est pour ça qu'on m'appelle ça Cameron Marne. Tout me revient. C'est clair comme de l'eau de roche. Alors, les diamants. Par contre, je tiens à signaler que je n'ai plus d'Exigate. Enfin, je ne sais plus où acheter les Exigate. Et ça me vexe. Alors, une opale. Une opale spé. Et voilà, enfin, enfin le beau jeu. Voilà, il me reste 17 balles, je suis à poil, je retourne à Guanta, et enfin nous allons pouvoir, sous vos yeux ébahis, récupérer la 7ème rune et battre Garizo. C'est la fin du jeu. Honnêtement, si c'est pas la fin du jeu, je serais très surpris. Hein, voilà, on se retrouve après les pubs, ça va être ouf malade Guedin.
Non, un fion, j'ai mis la mauvaise boucle. Du coup, je ne sais pas quand les pubs s'arrêtent. Bon. En tout cas, ça nous laisse le temps, bien entendu, de faire Christina Cordula Wiki. Christina Cordula. Oh mon dieu. Alors, ah, mais c'est pas les conneries. Vous aviez pas dit les conneries, hein. Maria Christina Cordula. Née le 30 octobre 1964 à Rio de Janeiro. Donc oui, 30 octobre 64, elle a 51 ans. Qui l'eût cru ? Unbelievable. Merci, oui, Bonro et Patrof, merci encore. Musique du jeu, musique maestro, la régie, voilà. Incroyable mais vrai. Alors. Bonro, ah bah oui, c'était au début. J'ai fait les mails et Rabelais, mais pas Bonro, c'est la teon. Oui. Ah, j'ai plus de thunes. C'est fâcheux. C'est bon. On va vendre les 3 opales. Ça devrait suffire. C'est quoi, 60, 80, 40. Tout va bien se passer. Voilà. Tiens, j'ai même acheté un truc qui me sert à rien. Voilà, un baie fossile. C'est superbe. Allez, c'est parti. Sous vos yeux ébahis, nous partons vers le dernier donjon, sans aucun doute. Attention, bien faire le shift, sinon on sauvegarde pas. Ah merde, je suis pas sûr, voilà. Ah, parce que si on fait pas shift, eh ben on load. Et là, c'est le guac ultime. C'est perdu. Allez, c'est très loin. C'est beau, mais c'est loin, hein, comme le disait Jacques Chirac, qui sera le prochain, évidemment, sur la liste. Faut aller tout au nord-est, là. Hein. No pressure. Mais je rêve ou c'est le clodo du 1? C'était le clodo du 1. Ah non, c'est pénible. Hop. Parfait. Parfait. Bah! Ah oui, nous avons récupéré notre magie. La fête est intégrale. Par contre, 47 MP et 35 MP, je crois que comme un sac à merde, je ne suis pas allé à l'auberge. C'est ça! Pas de panique. Allez, on y va! On y va, on y croit! Alors, en plus, hein, je crois que le truc est labyrinthique au possible, sinon, c'est pas drôle. Le dernier donge, là, enfin, le donge. Allez, 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 voilà, la coupe du monde. Alors, je crois qu'il faut faire tout le tour. Alors, je crois que je crois qu'au niveau décision de merde, je me suis bien placé. Ouais, c'est ça. Ah bah non, je me suis fait empoisonner. Ah, mais je peux one shot et on ne va pas s'en priver. Zblé. Petit coup de soin. Bon, je pense qu'on va... On va... décemment et tranquillement poser, se redonner nos MP. Parce que finalement, cet ennemi ne représente pas un énorme danger. Il a pas mal d'attaques, mais... il va se faire one-shot par passe-partout. Donc voilà. Je tente même le sombrero malgache en espérant qu'il n'attaque pas sur le tour de robot chiotte. Magnifique! On est solide, serein et lucide. Ah, la muse du net, c'est beau. Purifie, voilà, je me purifions. Vite! Vite! Très bien. Parfait. C'est beau un monde qui joue. Ah, j'ai une cible d'intelligence pour augmenter ma magie. Il faut que je l'utilise. Évidemment, en faisant des safe states. Officiel console mania. Car vous le savez, hein, ça donne entre 1 et 4. Pourquoi il l'a pas tué? Mais c'est scandaleux. Paf. Oui, d'accord. Un real talk sur ce week-end.
Normalement, le Rialto qu'on dit que des inepties, entre guillemets. Enfin non, évidemment, le Rialto que c'est premier degré, mais justement, ça pose problème. Alors. Salut à Anthony65. Paf! Très bien. Paf! Ah non, mes miroirs! Oh, c'est pénible. Paf, 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 paf. Alors, on y... Ah mais non, mais pourquoi? Oh non! Oh, c'est la caverne du dragon de Méburne! Bon, alors, j'espère que vous aimez les combats chiants. Parce que là, attention, hein, je vous offre la Rolls. Du coup, oh là, direct! Direct, zéro embrouille. Alors, j'ai bien peur qu'à part mes sorts de feu... Bon, je vais pas vous spoiler. J'ai un affreux doute. Le doute m'habite. Bon, ça déjà c'est pénible. Passe encore. Allez, on utilise les B Agility, hein, rien à foutre. Ah putain, j'en ai pas racheté, faudra que je restock. Allez, rune de lune. On booste au max et ensuite on va booster la magie. Et on sera OP pour commencer à sérieusement se faire chier. Bon, l'agilité paye, pour l'instant ça whiff. Voilà, c'est bon, nous sommes full boostés. Allez, on va se défendre dans un premier temps et voir si on arrive à faire plus de 1 en se défendant en attaquant. Alors vous voyez qu'en plus il fait des magies pour me voler de la vie, il a des sorts de soins, il a 750 points de vie. Donc là, bon, il y a une décision à prendre. Mais là on a de la chance, c'est qu'on a Fire 2. On a des magies de feu. Sinon, ça serait fort pénible. En fait, ça va le faire. Mais ça aurait pu être dramatique. Sans déconner. Fais voir la magie, on sait jamais, hein. Laser 3. Ah oui, non, non, bah oui, d'accord. C'est le feu ou rien. Mais donc, quand j'avais joué avec la prêtresse de glace et le robot, c'était un peu pénible. Voilà, hein, c'était un peu chiant. Non, mais c'est vrai que c'était un peu chiant. Dieu merci, on... Ben, qui l'eût cru finalement, ce nain qui carry la game, hein. Ah, peut-être aussi que le sort HP Catcher fonctionne. Ah non, rends-moi mes MP, Raclo Abidet. Ah mais non, mais du coup, il va recommencer... Oh là là. Il va me faire du HP Catcher, il vient de me voler des MP pour le faire. Salaud, 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 salaud. Il y a déjà le console mania d'aujourd'hui sur YouTube, incroyable. Allez, voilà, Robochiot contribuera également. C'est écrit. Allez, incroyable mais vrai, ce combat qui avait duré 850 ans, même en fast-forward sur mon Twitch, va être réglé, à moins qu'il nous réserve une petite surprise de fin. Ah, ça serait bien, merde, on utilise les miroirs. Évidemment, c'est un gros mob immunisé à la pierre, dont, oui, immunisé à la pétrification. Donc, et là, j'utilise un miroir, mais juste pour ne pas me faire pétrifier. Oh oui, le MP Catcher qui loupe. Oh là là, alors la moule magique. C'est parti pour la moule magique.
Ah non! Ah, il me prend des MP, c'est bon, c'est gagné! Ouh, j'ai cru qu'il est soigné à l'infini! Oh là là, le GG easy! Oh là là, hallucinant! Très bien! Allez, j'ai pas le temps, faut y aller! Je sais pas où je vais, mais j'y vais! Allez hop! Parfait! Ah, en plus, pas de combat, donc j'ai le loisir de me faire chier. Oh là, ah non! Ah non, non, c'était un préambule! Préambule à de la merde en boîte! Et voilà, on entre dans le vrai donge. Quelle heure est-il? 20h45. Alors, j'ai peur, j'ai très peur. D'accord. Je les connais pas et j'aime pas ça. Bon allez, tant pis, tout pour l'attaque. Aïe! Oh oui, oui, très bon choix! Non mais si, on s'en fiche. Oh, le critique, 900! Ça va chier. Ah, pas à chaque stream, la musique, justement. Il faut varier les plaisirs, créer la confusion. Il faut que le viewer de jeuxvideo.fr soit haletant. Non! C'est douloureux, c'est chiant. Oh là là, on one shot, tout va bien. En fait, ça va. Le fait d'avoir farmé comme un porcin avant ce stream a payé. Parce que le but c'était d'avancer un peu, hein, je dois vous l'avouer. Allez, j'y crois à mort. Oh là là, mais c'est chiant, il y a plein de chemins. Oui, pourquoi pas. J'espère que c'est pas le donjon. Non, c'est plus tard, c'est le donjon de fin où il y a des faux passages et des boucles. Ça, je vais me faire baiser, je le sais, hein. Pourquoi je redescendrais? Pour un coffre? Hein? Faut que ça cesse. À un moment, faut que ça cesse. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Il y a un coffre, allons-y. Hein. Forcément. Ça va, on le connaît. Il n'est pas méchant. C'est infini. Bah alors j'ai choisi de directement aller là, ce qui à mon sens est le bon chemin, la caverne de lave, mais c'est chiant quoi. Caverne de glace, de château, caverne de lave, c'est un peu pénible à faire d'une traître. C'est parfait, c'est moins cher que gratuit. Non, c'est chiant. Ah, c'est très chiant. Redonnons les MP à Passepartout. Alors oui. Ah oui, mais je suis con, il avait... Je sens que c'est le décès. Je sens que c'est le décès de Robochiot. Non, c'est bon. Allez, s'il te plaît. Faudrait que ça cesse. Faudrait vraiment que ça cesse. Oh,
Non, je vous jure, encore un nouveau jeu qu'on aura terminé celui-là, voilà. Allez! Oh là là, il y a trop de trucs. Ah, là, il y a un passage secret, je le sens. Je le sens, je le fleure. Il fleure bon, le Saint-Albret. Je viens de faire un tour. Tu peux le one-shot, alors arrête de faire le con et donne-toi à fond. Le prochain jeu, on verra. Sinon, on pourrait refaire une petite compile à l'ancienne. Je pense qu'on fera ça aussi. Merci. Alors. Prochain jeu, Daggerfall. Ah, oh, Daggerfall, tellement bien. Tellement le jeu de la vie, mais si on fait pas la quête, Daggerfall, c'est 800 streams. Ah, on y est. On y est, ça va être pénible, mais regardez bien. Ah, mais quoi que je sais plus si ça, c'est le cheminement normal, ou si c'est juste pour trouver un objet du guac, genre une très bonne armure. Oh là là, oh l'infini, l'infini. Heureusement, en général, on n'a pas le temps d'affronter les ennemis en faisant ça. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une pécide. Très bien, on a encore une cide. Et là, on trouve un objet fou. Qui est-tu? Ah, l'épée forte. Non, mais c'est de la merde. 72. Ah oui, en fait, cette épée est géniale. Mais cette épée n'est utilisable que par les magiciens. C'est douloureux. Daggerfall, c'est très très cool à jouer, à streamer. Ouais, ça reste à voir. Le truc de Daggerfall, c'est qu'il est... Le jeu est dégueulasse, très vieux. Pour ceux qui connaissent pas Daggerfall, hein, les innocents, c'est The Elder Scrolls épisode 2. Avant Morrowind, après Arena. Mais ce qui est hallucinant avec Daggerfall, c'est qu'il est dégueulasse, mais ça lui donne une atmosphère. Et sinon, c'est quand même un des seuls jeux où on peut voir des centaines d'habitants par ville où on passe. C'est tout simplement, ce sont des personnages qui tiennent en une seule couche, c'est de la 2D en fait, qui se baladent. Et c'est l'angle à laquelle on les voit qui change. C'est tellement moche. Par contre, le jeu me terrifiait, le jeu me fait peur, comme un jeu d'horreur, comme un Outlast, si vous voulez. Parce que dans les donjons, ça fait 30 sous-sols, on n'y voit rien, et puis il y a des cris de ouf qui partent de partout. Allez, s'il te plaît, passe-partout. Non, 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 mais non. Oh là, bon, ça va. Tout à part le power était bien. Donc j'ai fait tout ça pour de la merde. Oh là 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 là. Le problème, c'est que j'adore Daggerfall, mais j'ai jamais terminé, hein, par contre. Car je ne voulais pas faire la quête principale. Et oui, j'ai appris Heal 3, attention, hein. Il a un Heal 3 dans son petit baise-en-ville, notre ami passe-partout. Ah oui, alors Daggerfall, oui, hein, pour ceux... je ne sais plus si la stat est exacte, mais je crois que Morrowind représentait 0,01% de la taille de la superficie de Daggerfall. Daggerfall, hein, vu qu'il y a énormément de random, ça n'a aucun sens. Il y a des milliers de donjons, de villes, de tavernes, de cavernes, de châteaux, des milliards de continents, c'est infini. Bon, alors oui, il faut s'en aller maintenant. Où est-ce qu'il faut s'en aller ou chercher une autre issue? Non, il faut s'en aller. Ah non, je ne déconne absolument pas. Daggerfall n'a aucun sens. Il est impossible sans le cheat à faire d'un bout à l'autre. Sinon, ça prend des heures et des jours.
Megan Fall, c'est vraiment... c'est le nerdisme absolu du rôliste. Oh, c'est chiant. Fallout. Oh, attention, hein, j'ai très honte, mais Fallout, c'est une des séries cultes que je n'ai pas faites. Ça, ça ira sûrement sur le stream du jeudi. Non, c'est chiant. On accélère un peu, hein. On se permet de tricher maintenant. On va beaucoup tricher à partir de maintenant. Je trouve que c'est réglo. J'ai raté ma vie, je sais. Merci. Allez, allez, allez! Nous y sommes presque. Ah merde, il est 20h55, nom d'un fion slave! C'est le temps de faire la safe state officielle, console maillade, d'autant plus qu'on doit set-up le prochain stream. De Carol Cool, jeu F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, Mons Booby. Alors, sur la Retro 3D, vous retrouvez Made in France immédiatement avec Raph le Flamboyant et Phil de Longue. Sur la Powerplay, vous retrouvez. Non, vous ne retrouvez pas, vous. Il y a en ce moment en cours l'émission de Monster Hunter 4 Ultimate, chasse-moi si tu peux, avec Mizu et ses amis. Et donc, sur la TV1, on retrouve Carol Quinten, Carol Cool sur. Carole, fais-moi peur, quel est le jeu? Je ne sais pas. En tout cas, les safe states officiels sont en place, les fions sont alignés avec les astres. Des bisous, à demain. Ouais!